écrasé à 700 km/h peut rejoindre sa zone d'opération. Quitter un plan d'eau, c'est effectivement la partie un peu la plus compliquée en décollage, alors qu'on penserait qu'au contraire c'est sur la terre. Eh bien oui, il y a une aspiration de l'eau. Il faut de la puissance pour sortir le premier redan et puis le deuxième pour ensuite décoller. Cet avion, il a fait ses preuves en Russie depuis 2004. Il a combattu nombre de feux de forêt. Et puis surtout, il a porté aussi des secours, notamment après des catastrophes naturelles. On le voit régulièrement, il combat des incendies en Europe, en Grèce, au Portugal, mais aussi sur d'autres continents. Et cela pour sauver des vies. Il vient de larguer 12 tonnes d'eau. 12 tonnes d'eau qu'il utilise dans les périodes estivales. Et puis l'hiver, eh bien, sa polyvalence lui permet de transporter 43 passagers. Décollage remarquable pour un avion que l'on ne peut que remarquer par sa livrée, notamment une livrée qui est remarquablement illustrée. Le dernier né de puissance, mais également de contrôle dans tous les domaines. Du reste, il y a d'autres E2, deux autres emblèmes E2 qui sont représentés soit avec un aigle, il y en a un autre avec un tigre et puis un autre avec un requin. Et tous ces animaux sont connus pour leur vivacité et leurs habiletés exceptionnelles de chasseurs. Alors pourquoi de tels symboles? Eh bien, si on veut être représenté comme un chasseur, c'est parce que c'est un avion de transport mais qui est un chasseur de profit. L'Embraer E195-E2. Pour une aviation régionale qui utilise des lignes à courte et longue distance, tout en offrant un coût d'exploitation le plus faible possible. Cette version, celle qui offre la plus grande capacité d'emport passager de la gamme, avec 146 sièges, eh bien, il est piloté par Captain Eduardo Camelier et Captain Pena Junior. Cet avion est capable de franchir d'un seul coup d'aile près de 5000 km à la vitesse de croisière de Mach 0,80. La version E2 de l'Embraer 195 permet d'économiser jusqu'à 24% de carburant et 20% de frais d'entretien par siège. Tous les E2 ont des commandes de vol fly-by-wire de 4e génération et ils sont intégralement reliés à un réseau informatique. Des vitesses aussi impressionnantes puisqu'on a 300 km/h. Pour le spectateur, la voltige reste un moment de grâce particulièrement esthétique et pour le pilote, eh bien, c'est tout simplement grisant puisqu'il a simplement pour repère le bruissement de l'air qui chante sur le fuselage et la voilure. La vraie difficulté pour le pilote va résider à obtenir les meilleurs compromis entre la vitesse et l'altitude. Et pour ça, eh bien, il va utiliser l'énergie disponible, c'est-à-dire donc les prises de vitesse, et ensuite pour restituer en exécution du vol. Le pilote de ce planeur, il s'appelle Nicolas Onons. Il est champion de voltige aérienne et il a été breveté pilote de planeur à l'âge de 15 ans. Oui, on commence le planeur à l'âge de 13 ans. On vole seul à l'âge de 15 ans. Et puis Nicolas, lorsqu'il ne voltige pas, eh bien, il est aux commandes d'un des Boeing 777 de la compagnie aérienne Air France, compagnie aérienne qu'il a intégrée il y a maintenant 16 ans. Compagnie que Nicolas remercie souvent parce que
elle apporte à celles et à ceux qui ont la volonté de placer les couleurs de la France sur les plus hauts podiums tous les moyens pour pouvoir leur permettre de réaliser cela. Une fédération aérienne, une fédération de vol en planeur qui... Les hommes avertis ou les femmes averties, eh bien cet avion a été développé aux États-Unis dans les années 1960 par Lou Stolp, qui est un Américain et qui avait envie de se fabriquer un avion 100% plaisir qui avait la forme et l'allure d'un avion biplan, mais en ayant toute la modernité, tant pour le pilotage que dans la structure. De nos jours, plus de 1000 Starduster volent encore dans le monde et cet avion est réalisé en tube, en bois, étoile. Sa construction a demandé au moins 2 ans au constructeur amateur parce que ce n'est pas un avion que l'on achète dans un magasin, c'est un avion que l'on fabrique soi-même. L'entreprise souligne la forte et la longue implication d'un groupe et de ce groupe dans le monde de l'aviation. Thank you.
évocateur pour nombre de pilotes de transport, mais également de chasse, puisque cet avion a été leur avion école. Il s'appelle Fuga Magister et aux commandes, Hugues Duval. Événements privés, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque tout récemment, c'était en Irlande, eh bien, cette patrouille de 5 Fuga Magister ont évolué durant un concert de U2. Et imaginez-vous avec un écran immense, avec U2 en train de jouer, et derrière, ces avions qui arrivaient sur une piste qui était représentée sur cet écran géant. Des Fuga Magister CM-170, ce sont des avions fins, des avions véloces. Ils évoluent entre 150 et 400 nœuds, c'est-à-dire près de 700 km/h. Et puis cet avion, il est biplace. On a à l'arrière un passager, à l'avant un pilote. Et bien, si le cœur vous en dit de devenir un pilote de chasse pour un moment, un instant, il suffit tout simplement de vous adresser à Hugues Duval. Et vous aurez la possibilité, soit en patrouille, soit en solo, de faire le vol, de retrouver les sensations de cette formation de chasseurs à partir de cet avion. Ils semblent l'un accroché à l'autre. Et au cours du vol, passage devant le public, eh bien, ce petit avion, le Cricri, va être largué et il va prendre son envol et venir se mettre en patrouille auprès de ce Broussard, un avion qui transporte 8 personnes avec un moteur de 450 chevaux à côté de ce petit avion. Le père, la mère, eh bien voilà, on apprend à voler.